vous allez bien, que tout se passe bien. Comme vous avez vu, ça fait un moment que je ne fais plus de vidéos. Franchement, c'est vrai que c'est... Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo. Bon, je ne sais même pas pourquoi je vais être désolé. En même temps, il n'y a personne qui se plaint. Donc, ça ne sert à rien que je sois désolé. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Comme vous avez vu, l'Olympique Lyonnais fait que de perdre. 5 défaites. On est à la 4e défaite. La 4e défaite. Il y a un match nul contre cette équipe de Toulouse qui a fait son taf exactement comme il fallait. Donc l'Olympique Lyonnais est vraiment sur la sellette, c'est sur le rouge. Là, en ce moment, à l'heure que je vous parle, l'Olympique Lyonnais est 7e du classement. On va peut-être être 8e à l'heure que je vous regardais la vidéo, même peut-être 9e, puisqu'on attend toujours le match entre le LOSC, c'est-à-dire Lille et Lens, qui est une grosse équipe qui est bien classée en haut de classement. Donc voilà, je veux juste parler vite fait de l'Olympique Lyonnais, puisque là c'est vraiment... Tout le monde à Lyon est fâché, tout le monde est fâché, mais moi je suis fâché. Je suis tellement fâché, comme vous avez vu, je ne fais même plus de vidéos. Ça ne sert à rien, c'est pour que je dise toujours les mêmes choses. Je me répète. Donc voilà, je préfère pas faire de vidéos que de se répéter, dire que ouais, il y a ça. Donc voilà, aujourd'hui, là où je vous parle, le changement commence à un peu évoluer les choses. À l'Olympique Lyonnais, les choses commencent à un peu bouger. Il y a Laurent Blanc qui commence à un peu avoir la poussière, c'est-à-dire qu'il commence à un peu s'ennuyer. Et ça fait un moment que Lyon le demande, l'Olympique Lyonnais le demande. Donc voilà, il s'est dit, il a fini par craquer et dire bon, je veux prendre Lyon, je vais essayer de prendre Lyon. Bon, c'est pas encore fait, mais normalement c'est confirmé. Il est arrivé aujourd'hui à Lyon aussi, et puis il est dans les bureaux, les chaises de l'Olympique Lyonnais, en train de faire ses négociations pour le salaire, etc. et tout. Il recherche un logement ici à Lyon pour s'installer. Son bureau est prêt à l'Olympique Lyonnais dans les bureaux de Lyon. Son bureau à Laurent Blanc est prêt, les stylos sont prêts, les feuilles sont prêtes, tout est prêt, hein, le fauteuil est prêt, tout est prêt. Maintenant, à lui de s'installer tranquillement et de faire son staff tranquillement. Malheureusement, à Peter Bosz, que j'aimais bien cet entraîneur, Peter Bosz. J'aime bien cet entraîneur qui a entraîné l'Ajax, etc. et tout, qui est vraiment un bon entraîneur pour moi. Malheureusement, il n'a pas pu faire bien son taf à l'Olympique Lyonnais. Ça n'a pas marché, oui, ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Voilà, donc il va devoir être délogé, bien sûr, il va quitter son bureau, bien sûr. Alors que je vous parle, il quitte le bureau. Et puis il va partir, et pour le moment, il serait sans club. Le temps de voir pour lui quel club il va pouvoir prendre. Donc voilà, je voulais juste vous parler que, bon, Lyon va peut-être essayer de relever la tête. Là, l'Olympique Lyonnais a fait un match nul contre Toulouse. Donc on va voir ce qui va se passer maintenant pour l'Olympique Lyonnais. Si l'Olympique Lyonnais va pouvoir s'en sortir de cette crise, puisque là on est en période de crise, peut-être que Lyon va pouvoir sortir cette crise. Le prochain match, ça va être compliqué, puisque là on va commencer à atteindre des niveaux d'équipe très très compliqués comme Rennes. Bon, s'il y a un match nul contre Rennes, je pourrais dire que je serais content, mais bon. Le idéal, c'est la victoire, commencer à revenir, relever la tête, puisqu'il y a eu des choses qui ont été dites par rapport à la Cazette qui a parlé, par rapport à Peter Bosz et tout ça, par rapport à l'entraîneur. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais bon, moi, j'en reviens pas dessus. On va revenir sur de bonnes bases et puis se dire qu'avec Laurent Blanc, on va relever la tête et tout va aller mieux. Et voilà, moi, je pense que Laurent Blanc a les capacités de faire l'Olympique Lyonnais une bonne équipe et remonter à la 5e place, voire, parce que là, on peut que remonter à la 6e place peut-être, et la 5e place, ça va être compliqué, et la 4e place, il va falloir gagner tous les matchs. On va arriver au grand match qu'on attend le plus. L'Olympique Lyonnais va se déplacer à Marseille, donc ça va être compliqué. Et en ce moment, Marseille est vraiment dans un état vraiment supérieur par rapport à Lyon. Donc je crains vraiment la défaite de l'Olympique Lyonnais à Marseille. Donc il faut vraiment commencer à se réveiller, puisque l'Olympique Lyonnais va aller à Marseille. Et moi, à Marseille, pour moi, c'est un derby exceptionnel, puisque c'est une équipe très motivée, Marseille, et qui en ce moment qui se bat pour le titre et qui est bien passé et bien placé pour peut-être cette année être champion de France. Donc Marseille a une grosse équipe avec des gros joueurs de qualité. Donc je pense que ça va être compliqué pour l'Olympique Lyonnais si on reste dans ce niveau là où on fait que de perdre des matchs et qu'on fait que des matchs nuls. Donc il faut se préparer, il faut avoir un entraîneur mentalement qui est fort et qui puisse faire de Lyon une grosse équipe et remonter au classement, parce que c'est très important, parce que là il va y avoir des grands matchs. Le plus grand match, moi, que j'attends, c'est le match
à l'Olympique Marseille. À Marseille, ça va être compliqué. Donc après, avant Marseille, effectivement, avant Marseille, il y aura aussi des matchs qui seraient compliqués puisque ça s'enchaîne à partir du match de Rennes. Et les matchs compliqués s'enchaînent. Donc voilà, je pourrais faire que dire que je suis quand même content que Laurent Blanc vienne nous dépanner, vient nous peut-être nous sauver, peut-être va nous sauver la vie pour refaire de Lyon une équipe en haut de classement, parce que là, on est vraiment en faillite. Bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour le prochain match face à Rennes. Et puis, j'espère que Lyon va pouvoir faire un match exemplaire. Un match, franchement, que j'attends le plus, c'est la victoire de Lyon à Rennes. C'est ce que j'attends le plus, puisque là, Lyon, s'il gagne, ça veut dire qu'on se relance et on relève la tête. Puisque là, il ne faut plus perdre, puisqu'on est assez perdu. Il faut quand même se relancer. Un match nul, ce serait bien, mais la victoire est impérative pour l'Olympique Lyonnais. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Prenez bien soin de vous. Quant à moi, je veux regarder le match de Lens face à cette équipe de Lille qui est très très forte. Bon, salut.